Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer ses marque-pages dans Firefox. Alors, marque-page chez Firefox signifie favori chez Edge et Chrome. Donc, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Ça va être de mémoriser des sites internet pour les retrouver facilement et rapidement. Pour cela, je vous laisse ouvrir Firefox. Donc moi, il se trouve dans ma barre des tâches. Donc c'est cette icône avec un renard qui s'entoure autour d'un cercle violet. Mon navigateur internet est ouvert. Donc tout d'abord, c'est comme ce que je vous ai montré dans la vidéo pour Edge Beta sur la gestion des favoris. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site internet que vous souhaitez mettre en favori. Par exemple, moi je veux mettre le site du Parisien. Donc je vais rechercher le Parisien. Je vais cliquer sur le site en question. Donc le site est ouvert, j'accepte l'utilisation des cookies. Donc ce site, je souhaiterais l'ajouter à mes favoris pour le retrouver facilement. Enfin, je souhaiterais l'ajouter à mes marque-pages. Donc pour ce faire, il va vous suffire tout au bout de la barre d'adresse de cliquer sur l'étoile. Le fait de cliquer sur cette étoile, l'étoile devient bleue. Et vous allez pouvoir donner un nom à votre favori. Donc moi, je supprime ce qui est en trop pour mettre que le Parisien. Le dossier, c'est quel endroit je souhaite ajouter ce favori. Donc moi, je vais que ce soit dans la barre ici pour le trouver rapidement. Donc je clique sur le menu déroulant et je vais choisir barre personnelle. Vous avez possibilité d'ajouter des étiquettes. Alors les étiquettes, ça va être des mots-clés pour retrouver facilement ce favori quand vous passez par la barre d'adresse. Donc par exemple, je vais mettre actualité. Et je vais pouvoir faire terminer. Donc mon étoile est bien bleue, le site est ajouté au marque-page et dans ma barre personnelle, je retrouve bien le Parisien. Je veux ajouter maintenant l'Express. Donc pareil, dans la barre d'adresse, je vais rechercher l'Express. Je me rends sur le site. Le site est chargé, donc je recommence la même opération. C'est-à-dire, je vais aller sur l'étoile. Le nom, donc je vais laisser que l'Express. Ensuite, le dossier. Je vais pouvoir le mettre dans barre personnelle, étiquette, je vais mettre actualité. Et je valide. Nous avons donc nos deux sites internet qui sont ajoutés à la barre personnelle. Comme je vous l'ai montré pour Edge, il est intéressant de créer des dossiers pour ranger vos favoris par catégorie pour les retrouver très rapidement. Pour cela, vous avez ici en haut à droite ces espèces de petits livres. Si je clique dessus, je vais retrouver marque-page. Je clique dessus et ensuite, je vais pouvoir aller tout en bas, afficher tous les marque-pages. Vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. À l'intérieur de cette fenêtre, vous trouvez barre personnelle et vous retrouvez les favoris que vous avez mis dedans. Si je souhaite créer un dossier, vous avez le bouton organiser. Je vais cliquer dessus. Je vais créer un nouveau dossier. Donc là, je vais l'appeler actualité. Bon, je vais mettre juste actu. Ajouter et il me suffit de glisser
mes deux marque-pages dedans. Et vous voyez que dans votre barre personnelle en haut, tout se fait aussitôt. J'aurais très bien pu créer ce dossier directement au moment de l'ajout des marque-pages. Pour cela, nous allons aller sur Marmiton. Je vais ajouter Marmiton à mes marque-pages et je veux le mettre dans un dossier que je vais appeler Cuisine. Pour cela, je vais faire l'étoile. Donc, le nom Marmiton. Le dossier, donc je clique dessus, barre personnelle, ou sinon je peux directement cliquer sur choisir. Et là, dans barre personnelle, je vais faire un nouveau dossier. Donc j'ai cliqué sur barre personnelle, nouveau dossier, et là je vais l'appeler cuisine. Et je valide avec la touche entrée du clavier. Étiquette, je vais mettre cuisine. Il faut mettre une virgule pour séparer les termes. Donc recette. Et je peux faire terminer. Et ainsi de suite. Si je prends un nouveau site internet de cuisine, par exemple 750 grammes, ce site, je veux l'ajouter à mes marque-pages. Donc, je recommence l'opération. L'étoile. Je garde que le nécessaire pour le nom. Le dossier. Choisir. Donc, dans barre personnelle, je veux cuisine. Et je peux terminer. Donc, à chaque fois, pensez bien à vous mettre dans le bon dossier. Si jamais vous avez fait une erreur, je recommence à cliquer sur mes quatre petits livres, marque-page, afficher tous les marque-pages, donc barre personnelle, cuisine, et là je peux venir déplacer un site pour le remettre dans le bon dossier. Nous avons mis en bas des mots-clés. Si dans votre barre d'adresse, vous recherchez actualité, donc là j'ai juste tapé AC1 et il a déduit le reste, vous remarquez que mes deux sites que j'ai mis dans ce dossier avec le mot-clé actualité apparaissent dans les résultats, ce qui fait que je peux les retrouver très rapidement. Nous en avons terminé sur les marque-pages sur Firefox. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment gérer nos favoris dans Google Chrome. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.